à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation d'ATC que j'ai reçue pour le mois de septembre. J'aimerais remercier aussi les personnes qui ont envoyé une carte d'anniversaire à Corinne. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Voilà. On va commencer par les ATC. Voilà, donc j'ai reçu les ATC le mois dernier. Alors, je me rappelle plus du nom par contre. J'espère qu'elles sont... Hop. Si, c'est Emily. Alors, ça sera automne. Et automne. Enfin, j'ai un doute. Non, rentrée scolaire. Alors, rentrée scolaire. Voilà, avec le petit tampon de chez C2M Studio. Et automne. Donc, normalement, d'octobre, c'est automne et Halloween. Mais là, vu que je l'ai reçu au mois de septembre, je vais la mettre. Et en plus, elle l'a fait le 26-8-2018. Donc, au mois d'août. Voilà. Donc rentrée scolaire, donc c'est une sur une, et welcome automne, une sur trois. Donc merci, elles sont magnifiques. Merci, Emily, j'ai eu un doute. Merci Emily pour tes ATC. Alors vous pouvez peut-être entendre à ma voix et que je suis un peu enrhumé. L'automne est arrivé chez nous aussi, hein. Fatalement il a mis du retard, il a pris du retard, mais il est arrivé. Laetitia, Léa Petit Dream, hop. Une petite carte. Voilà. Et les petites ATC de... En plus, je les ai vues sur Instagram. Petite ATC d'école. Donc, une sur deux et deux sur deux. J'ai droit aux deux. Donc, là, avec écrit Romain, il y a marqué premier jour d'école. Et sympa, le petit tampon du fond. Je sais pas si c'est un tampon ou pas avec 0 plus 0 égale la tata toto. Et là, c'est témoignage de satisfaction. Donc c'est pour le travail. C'est sûrement un tampon à l'ancienne. Il y a aussi un tampon C2M dessus. Et genre ça devait être le truc genre en mode pour avoir les bons points. Voilà les bons points. Pourquoi je vais rajouter quelque chose d'autre là-dessus. Merci Laetitia. Alors Gaël W. C'est la première fois que je crois que je dis Gaël W. Hein. Ah franchement, alors ton ATC est superbe. C'est un petit sac d'école. En fait, il va y avoir juste un chouïa problème. Ouais, c'est pas grave. Je vais la mettre comme ça dedans. En fait, vu que je les mets dans une pochette, on verra pas l'intérieur. Mais en fait, je crois que je vais la mettre comme ça. Je vais la faire comme ça. Donc, un petit sac d'école. Bon, après, c'est des petits trucs. Donc, justement, un bon point, cahier de musique, cahier de correspondance. Et franchement, elle est super stylée, on est d'accord. On reconnaîtra le papier de chez Action. On l'a tous celui-là. Hein, donc, rentrée scolaire, Gaël, le 23 septembre 2018. Alors, c'est sur Instagram et sur Facebook, c'est la Gazette Créative. Voilà, je tiens à répéter et rappeler, si vous souhaitez mettre votre blog, votre YouTube... des personnes qui m'ont envoyé leur ATC, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc voilà, donc pour que ça puisse partager à toute la communauté de la famille B et de ces deux Stencil Studio créa de moi, toi. Donc super, ta petite, trop bien l'idée. L'idée est superbe. Donc maintenant, c'est Emily D, je crois, parce que j'ai arraché un peu le truc. Hop. Ah, c'est Andro. J'arrive pas, hein. Je crois que la dernière fois, j'ai exactement dit la même chose. Je crois que j'arrive pas. Voilà, petite carte, bah petite, une grande carte, avec plein de petites fleurs tamponnées, je pense, superposées, donc un peu printemps. On est en automne maintenant. Oh. Et donc, une petite carte Star Wars Dark Vador, super sympa. Donc ça, c'est carte, je crois, de chez Leclerc. Hop, ça veut pas focus, ça veut pas se mettre. Dark Vador. Super sympa. Et ça serait une bonne collection à commencer, ça. Et ensuite, tout simple, mais efficace, c'est la rentrée. Ça veut pas focus. Ça veut pas. Donc, marqué c'est la rentrée sur une style... je vais trouver le nom. Ardoise.
Voilà, avec écrit marqué c'est la rentrée. Là, il y a un pot de peinture, une paire de ciseaux. Merci Andro pour tes petits ATC. Donc j'imagine que j'ai... Ah non, j'ai 5 sur 6 et 6 sur 6. Donc sur Facebook, c'est Andro Ami Amy La Renarde. Je sais pas si je devais le dire, mais je l'ai dit. Voilà. Merci Andro. On enchaîne avec Aline B. Aline B. Voici mon ATC. Rentrée 2018, continue à créer des pages, des ATC, des pochoirs. Ils sont au top. Merci Aline. Les nouveautés techniques. J'espère, parce que vous la regardez cette vidéo mercredi soir, j'espère que les nouveautés seront demain. Je suis censé... alors, je croise les doigts. Je suis censé recevoir mes nouveautés le mercredi matin. Donc, ce matin pour vous, si vous regardez mercredi. Donc, j'espère vraiment les mettre en ligne dans la journée. Et comme ça, que je puisse les... que vous... puissiez les avoir jeudi matin. Voilà, on croise les doigts. Voilà, enfin bref, Aline, donc 2 sur 2 rentrée 2018. Hop, c'est la rentrée avec plein de petits des tâches, des écritures marquées c'est la rentrée, une règle, tout ce qui fait penser à l'école, la rentrée scolaire. C'est vrai que vous, beaucoup m'ont marqué que vous n'étiez pas inspiré par ce thème. Voilà, je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo. C'est vrai que même moi, j'étais pas... Vous voyez, c'est peu de petites ATC Halloween. Je pense que pour Halloween, on sera un peu plus motivé et un peu plus, pas motivé, mais plus inspiré surtout. Pas motivé, mais inspiré. Parce que c'est vrai que la rentrée scolaire... En plus, si on n'a pas d'enfant, tout ça, donc c'est encore plus dur à truc. Et même, de toute façon, la rentrée scolaire, souvent, c'est retrouver le rythme, justement, avec les enfants, patati patata, les devoirs, tout ça. Je crois que l'année prochaine, je vais prendre directement un cahier de ma fille et je vais coller dessus sur une ATC et ça fera une ATC scolaire 2019. Donc voilà, hop, c'est Céline de Pointoise. Céline de Pointoise, voici la TC. Donc il m'a fait encore une grande enveloppe, hop, une grande carte, puisque elle ne sait pas faire. Céline ne sait pas faire envoyer qu'une petite ATC. Elle m'envoie toujours des grandes cartes qui font toujours plaisir. Juste une pensée pour t'encourager. Merci. Bah voilà, le courage est revenu, hein. Donc fatalement, merci pour ta carte. Voilà, j'espère que la rentrée s'est bien passée. Oh bah c'était il y a un mois, mais oui, c'est bien passé. Genre le mec, en fait vu que j'ouvre pas automatiquement au fur et à mesure, bah voilà. Quand je serai grand. Hop, dimanche. Alors, on reconnaîtra le tampon étiquette de chez C2M Studio. Mais il y a marqué quand je serai grand. Et après, il y a samedi, dimanche, lundi. Ouais, bref, il y a lundi. Alors, par contre, celui-ci, je sais pas si c'est un tampon, mais il est trop mignonné. Si c'est un tampon, je ne dirais pas la marque, mais merci Céline de Pontoise, une sur deux. Et super mignonnette. Ouais, je sais, en fait, je fais ça depuis tout à l'heure, mais en gros, ça focus pas, en fait. On est d'accord. C'est nul. Nadège, Catherine, 59, fait du scrap. Attends, faut peut-être regarder. Ah, c'est thème jaune. C'était quand ça, thème jaune? Jaune, c'était quoi? Juillet? Je rigole, bien sûr. Donc, tu as fait un thème jaune. Il va falloir que je voie si j'ai de la place pour mon côté jaune. Donc, marqué jaune. Jaune, yellow, jaune. Voilà, avec un petit smiley. Je pense que vous... Vous pouvez peut-être entendre le vent qu'il y a dehors, c'est un truc de malade, il y a énormément de vent. Merci, c'est donc Catherine 59 fait du scrap. Ouais, parce que moi, Catherine, toi, ça fait Kaira, toi, ça fait... voilà, la cité, toi. Et Kinfri, tout ça. Enfin bref. Je dis vague. Tu te demandes pourquoi j'ai dit vague? Parce que j'ai dit vague. Dit vague. Ah, j'arrive pas à sortir ta carte, Daisy. Rentrée scolaire 2018. C'est une très grosse ATC, hein. A fait ma tête. Non, c'est une carte.
J'espère que la famille B se porte à merveille, que la rentrée des enfants s'est bien passée. Oui, elle s'est bien passée, merci. Ici, tout va bien et le soleil est encore parmi nous. Bah, nous aussi, mais il y a du vent. Bon, enfin, bref, je vais pas raconter. Daisy, petite souris, merci pour ta carte et l'ATC qui va avec. Hop, c'est la rentrée. Hop. En fait, faut que je fasse des trucs comme ça, mais ça marche pas en fait. Je fais comme les youtubeuses et tout, mais ça marche pas. C'est la rentrée, merci, avec le petit tampon fond, alpha fond de chez C2M Studio. Merci, avec marqué poésie, un point, et marqué c'est la rentrée. Merci Daisy pour ton ATC. Et on finit, ouais c'est ça, on finit avec pas de nom. On finit avec pas de nom pour le moment. Mais je crois que c'est... Ah non, c'est quoi? Franchement, je regardais comme ça, et je me dis, bah... Allez, mets-toi là! C'est mieux comme ça? J'allais dire, ça fait très penser à Céline de Pointoise. Mais il n'y a pas assez d'aquarelle. Mais en fait, non, c'est Sabrina. Sabrina du 49. Ou Sabrina 049, je sais pas. Merci les cheveux! C'est bien d'avoir des cheveux longs, hein! Mais c'est bien de ne pas les manger. Enfin, je me lance à envoyer les ATC. Je te suis depuis peu sur YouTube, mais c'est chose réparée maintenant. Honte à moi. Il n'y a pas de honte de ne pas me suivre. J'adore vous regarder, vous me redonnez le sourire quand je l'ai perdu. C'est un pur bonheur, continuez comme ça. Sabrina du 040, bah 049. Merci Sabrina pour ton message. Ouais, quand c'est des petits messages comme ça. Après, il y a des messages un peu plus longs. Voilà, mais là, c'est un petit message qui fait plaisir. Donc, je le partage avec vous. Et donc, voilà, back to school. Une petite découpe d'un bus scolaire avec écrit back to school. Ça doit être un DICE avec un petit fond écriture, mais voilà. Donc, la chaîne YouTube, c'est la chaîne de Sabrina 049. Voilà, fait par Sabrina 049. Bah oui, parce que si c'est la chaîne YouTube de 040, de Sabrina... La chaîne YouTube de Sabrina 049. Voilà, c'est très long. Non, je rigole, hein. les noms de YouTube, hein, tout le monde met ce qu'il veut. Moi, j'ai failli marquer Romain et la famille B. Après, je voulais marquer la vraie vie d'une famille normale. Non, je rigole. Bon, enfin, bref, voilà, j'espère que ces petites ATC vous auront plu. Ce n'est pas moi qui les ai faites, mais... Moi, ça m'a plu de les ouvrir, de vous les montrer. Comme je le répète, si vous avez un blog, un YouTube, tout ça, vous m'avez envoyé. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je puisse le partager à toute la communauté. Pour le mois d'octobre, c'est automne et Halloween. Ou Halloween, ça dépend. Des personnes qui ne sont pas inspirées par Halloween et plus par l'automne et vice-versa. Voilà. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, de la partager si t'as envie de la partager, de marquer un petit commentaire si tu... Voilà, je l'ai déjà dit, mais bon. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.